Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour laquelle je suis trop excitée parce que c'est une vidéo unboxing. J'ai reçu hier mon paquet de chez Beauty Bay. J'avais fait une commande le 6 mai, donc elle est arrivée le 25 mai, aujourd'hui on est le 26. Donc elle a mis à peu près 19 jours à arriver, donc presque 3 semaines. Mais je suis trop excitée parce que j'avais fait une bonne petite commande. Il y a combien d'articles? Attendez, je vais vous dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 références différentes. Donc j'ai fait une bonne petite commande. Alors il y a des pinceaux, il y a un peu de tout, du skincare, du make-up. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça directement en vidéo. J'ai encore rien ouvert si ce n'est le paquet. Voilà, voilà. Donc en premier lieu, je vois tous les pinceaux Wet n Wild que j'ai acheté, parce qu'ils étaient vraiment à très bas prix. Donc j'ai pris des pinceaux estompeurs et des pinceaux pour le teint comme ça. Je vais vous dire à peu près au niveau des pinceaux pour les prix. Donc le, par exemple le pinceau à contour c'était 3,50 €. Et les pinceaux pour les yeux donc c'était 2,25 €. Le plus cher c'était le pinceau pour la poudre à 4,50 €. Mais voilà, on est vraiment sur des petits prix de pinceaux. Donc on va voir, je vais en ouvrir un. Donc je sais plus si c'était de la promo ou pas de la promo. Vraiment, je m'en souviens plus. Ouais, il est doux. C'est du synthétique, hein, mais c'est pas mal. C'est doux, hein, c'est souple. Non, franchement, je pense que ça va être pas mal du tout. On va voir le pinceau poudre. Je vous mettrai tous mes achats en barre d'infos. Putain, celui-là il est... Ah, celui-là il est collé. Non, il va falloir que je le machine. Allez petit. Viens, descends. Allez, il faut lui donner un peu d'air. Punaise. Allez. Allez. Yeah. Non, franchement, il est doux. Il est super doux. C'est agréable. Ah oui. En fait, j'ai qu'un seul pinceau poudre, un seul pinceau contour, un seul pinceau. J'ai deux pinceaux blush. Mais bon, du coup, il faut tout le temps les nettoyer, etc. Donc là, je vois un peu plus faire de. Les alterner. Puis j'aime bien, ils sont rose et blanc, comme ça, ils sont tout mignons. Ça, c'est le pinceau blush. Il me semble que ça, c'est le pinceau blush parce que ça, c'est le pinceau contour. Ouais, et puis deux petits pinceaux, donc il y en a un pour cut crease et un estompeur. Mais bon, ils sont tous les deux fluffy, hein, donc je vais pas utiliser à chaque fois. Ah oui, ça va, il est souple. Ouais. Et puis celui-là. Allez. T'as la poubelle quoi. Alors. Ah oui. Ah, c'est bien ça. Celui-là il est comme ça, il est un peu plat mais fluffy, vous voyez. Et puis celui-là c'est vraiment un pinceau estompeur, rond, fluffy, fluffy. Très contente de mes petits pinceaux Wet n Wild. On verra à l'utilisation s'ils perdent leur poil ou quoi. Mais pour le prix que c'est, franchement c'est pas mal, hein. Je crois que c'est la première fois que vous me voyez avec mes lunettes. Que je porte des lentilles sur mes vidéos d'habitude, mais là j'ai mis mes lunettes parce que je suis fatiguée des yeux et que j'ai bossé toute la journée. Alors, donc j'ai pris ensuite, j'ai pris d'autres produits Wet n Wild. Je crois que c'est le seul. Ah, j'ai un autre pinceau, mais je vous dis des bêtises. J'ai un autre pinceau crise comme ça et un autre pinceau estompeur. Ouais, je les ai pris par deux. Voilà, voilà. Donc j'ai pris d'autres produits Wet n Wild. Donc j'ai pris une base de teint mate. Je vais voir si ça me matifie bien le teint parce que moi j'ai une peau mixte
Ah grâce, j'ai tendance à briller. Là, vous voyez, c'est la fin de journée, je brille pas trop parce que d'une, j'ai pas été à l'extérieur. Et de deux, j'ai fait un make-up ultra soft, c'est-à-dire j'ai pas utilisé de fond de teint. J'ai mis de l'anti-cerne et l'anti-cerne un peu sur les endroits qu'il y avait à corriger. Et sinon, j'ai mis que de la poudre. J'ai mis un fond de teint poudre compacte minérale de chez Sephora. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos, mais donc là, du coup, c'est normal que je sois pas non plus brillante, etc. Mais les fonds de teint, j'ai quand même les fonds de teint liquides, j'ai tendance à briller, c'est pas super agréable. Donc voilà, j'ai pris une petite base matifiante. Bon, ok, comme ça. Hein. Ça a une texture de crème. Ça sent pas très bon, ça sent la colle. Vraiment, ça sent la colle UU quoi, qu'on se mettait un peu de partout là, mais je vous tends la main, mais vous ne pouvez pas sentir. ça sent la colle. Ça sent la colle. Ensuite, oui, alors ça, ça coûtait 5,75 euros. Face primer, écoutez, 5,75 €. Wet n Wild, c'est aussi des produits très petits prix. Moi, dans la marque Wet n Wild, jusqu'à maintenant, j'avais que un rouge à lèvres. Et j'avais un gloss, mais que j'ai pas aimé, donc je l'ai donné à ma soeur, parce qu'elle, elle aimait un peu plus ce genre de gloss. J'avais qu'un produit, du coup, et donc ben, j'avais envie un peu de tester d'autres trucs. Donc j'ai pris aussi un autre rouge à lèvres de la même gamme que le rouge à lèvres que j'aime bien de Wet n Wild. Moi j'ai la couleur Rebel Rose et là j'ai acheté Give Me Mocha qui est un peu plus marron. Oh putain, je déteste ces trucs là. Vous savez, c'est les trucs à pointillés qu'on peut pas ouvrir. Je crois que j'ai pris un ciseau, attendez. Hop. Alors, est-ce que je vais y arriver? Parce qu'en fait, il est ultra collé. Il est ultra serré. Alors. En plus, non mais franchement, ça s'ouvre n'importe comment. Il y a la moitié qui reste. Hop là. Donc. Non mais lâche-moi. Petit papier plastique. Donc, j'ai pris une couleur comme ça. Là, c'est Wet n Wild Mega Last Liquid Catsuit. Donc, comme je vous disais, c'est la teinte Give Me Mocha. Et donc, je pense que ça va être une teinte... Ouais, c'est un marronné, mais il a quand même encore quelques petits sous-tons roses, mais léger. Enfin, c'est pas autant rose que celui que j'ai, moi. Et puis, il est un peu plus foncé aussi. Voilà. Mais j'aime bien ces rouges à lèvres là. Donc, voilà. Et ensuite, ce qui me reste, c'est que du Make-up Revolution, du Revolution Pro. Donc... J'ai pris ce masque, donc c'est du skincare, c'est un masque d'argile rose. Pinkley Detoxifying Mask, donc masque visage détoxifiant, vegan, cruelty free. Donc j'ai un masque, en fait j'ai pas beaucoup de masques pour le visage, j'ai un masque que j'ai acheté là sur mon dernier haul Revolution que vous avez vu, c'est un masque hydratant, c'est un Feed Your Face de Make-up Revolution en collaboration avec Jake Jamie. Donc il y a un masque hydratant à la mince pie, donc tartelette de Noël. Et j'ai un masque au charbon, mais j'ai pas de masque à l'argile et je pense que ma peau en manque. Donc voilà, ça se présente comme ça dans un petit pot. J'aime bien leur packaging en fait à Make-up Revolution, c'est simple mais efficace. Et puis on a des petits, un petit couvercle là comme ça. Et puis voilà comment ça se présente. Je vais pas le sortir parce que j'ai pas envie de gâcher du produit, ce serait débile. Mais j'en ai entendu pas mal de bien. Je vois pas mal de gens poster des petites stories avec ce masque, etc. Ils ont l'air assez contents, donc à tester, je vous dirai ce que j'en pense. Hop, et puis donc ensuite chez Revolution, je crois qu'après c'est plus du Revolution Pro ou pas, ça c'est Revolution mais du coup c'est Make-up Revolution, j'ai pris un petit crayon à sourcils comme ça que je voulais tester, je sais pas si vous remarquerez,
Mais aujourd'hui, j'ai fait mes sourcils de manière différente. J'ai fait la technique du savon de Marion Caméléon. Et puis, j'ai juste un tout petit peu rempli avec un crayon. Mais en fait, moi, j'ai que des vieux crayons qui... Enfin, j'ai beau les tailler, ça, c'est plus aussi précis qu'avant. Et en fait, celui-ci, j'ai de grands espoirs dans ce crayon. C'est donc de chez Make Up Revolution, c'est le Fast Brow Pomade. Donc c'est une pommade en fait dans ce crayon à sourcils. Et en fait, je ne sais pas si vous le verrez bien sur le packaging, mais c'est une petite brosse. C'est une petite brosse comme ça en fait, et qui est censée faire un peu du poil à poil. Donc comment ça marche par contre? En fait, je crois qu'il faut que je... Ah ouais, il faut que j'appuie ici au bout. Ça va mettre de la pommade sur mon crayon. Il faudrait que ça vienne sur cette petite brosse là. Putain, comment ça marche ce truc? Allez, j'ai de grands espoirs pour toi. Franchement, je comprends pas là. Allez, j'ai de grands espoirs en toi. Il faut me mettre du crayon là. T'as, pour l'instant, j'ai rien qui se passe. Rien ne se passe. Non mais mon produit est vide, ce n'est pas... Ah, ah, enfin, vous ne le verrez pas, mais elle sort. D'accord. Donc, ah oui, c'est de la pommade bien liquide maintenant. Maintenant que j'ai appuyé comme une folle. Et donc... Et donc voilà, et après, bah, du coup, je prends et puis je fais mon poil à poil, quoi. Voilà. Par contre, ça m'a l'air très froid comme marron, pour moi. Mais je verrai ce que ça donne. Punaise. 30 ans pour ça, quand même. En plus, maintenant, du coup, elle s'arrête pas de couler. On va pas le faire, là. Bon, je vais le mettre comme ça. On verra. J'en ai de partout. Heureusement, j'ai une boîte de mouchoirs pas très loin. Je vais faire un peu à la one again. Je vais effacer comme ça. Je mettrai de la lingette après. Ensuite, j'ai pris... qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah oui. J'ai pris la CC Crème de chez Révolution Pro. Je l'ai pris en teinte 2.5. J'espère que ça sera bon. J'ai de grandes attentes aussi pour cette CC crème pour cet été. Car je souhaitais avoir une CC crème pour cet été, pour pas avoir un fond de teint trop lourd, etc. sur le visage. Parce que voilà, c'est l'été, il fait chaud, on n'a pas envie d'avoir 36 000 tonnes de fond de teint. Donc voilà. Et puis en plus, elle a un SPF 30, ce qui n'est pas négligeable. Donc j'espère que la teinte sera bonne. Donc ça se présente dans un petit flacon pompe comme ça. Donc ça c'est très cool, ça j'aime beaucoup. Par contre, est-ce que la teinte ira? Please. Oui, ça va être bon là, regardez. Ça va être bon. C'est même limite un peu clair. Mais j'ai bronzé du bras. Je sais pas. Ouais, peut-être même limite un peu clair. Et j'ai pas pris la plus claire. Hein. J'ai pas pris la plus claire et j'ai pris... j'ai pas pris une à sous-ton rose. Je crois que celle-ci, c'est à sous-ton neutre, je crois. Je sais plus. Mais j'avais fait exprès de pas prendre la plus claire parce que je voulais une teinte d'été. Elle est un petit peu claire, mais je pourrais réchauffer ça avec du contouring. Donc c'est pas très très grave. Ouais, et puis elle est avec de l'acide hyaluronique, du collagène et des antioxydants. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de la tester. J'ai pris plein de petits Make-up Révolution parce qu'en fait je pense vous faire une petite vidéo Make-up Révolution only, quoi. Si ça vous dit, vous me le dites en commentaire et la vidéo elle sortira, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je vous ai pas dit les prix en fait, là. Au début je vous dis les prix, après je vous les dis pas. La CC crème, elle coûte 12 euros. D'ailleurs, c'était mon produit le plus cher de tout mon panier.
Donc elle coûte 12 euros. Le rouge à lèvres, il coûte 5,75 €. Qu'est-ce que je vous ai montré d'autre? Je vous avais montré... Ah oui, le crayon à sourcils, il coûte 7,25 €. Voilà. Mais de toute manière, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. J'ai pris aussi... Donc là, j'ai plus que du Make-up Révolution, comme je disais. Donc j'ai pris spray fixateur matifiant. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est pour la même raison que pour la base, parce que j'ai une peau mixte à grasse et que du coup pour l'été en plus, je me suis dit, je veux du matifiant, je ne veux pas briller de mille feux. Donc voilà, j'ai pris ça. Est-ce que ça sent bon? Je ne sais pas. Ouais, ça a une odeur chimique neutre, mais genre ça sent ni bon ni mauvais. Pas particulièrement agréable, genre c'est pas aux fruits ou quoi, mais ça se porte, hein, ça se porte. Ensuite j'ai pris poudre matifiante, matte base powder, donc c'est de la poudre pressée. Toujours dans le même optique d'avoir un teint mat. Il n'y a rien qui change là dans ce que je voulais. Pourquoi je n'arrive pas à l'ouvrir? Mais aujourd'hui, j'ai pas de force ni rien. Annie? Non mais il y a un scotch quelque part. Ah mais il y a un scotch, il était invisible. Oh, il m'énerve avec leur scotch. Ah mais en plus tu te casses au milieu du truc. Oh là là. Mon ciseau, est-ce que ça va arriver à le couper? Juste à faire la... Non, peut-être. Vais-je y arriver? Vais-je me couper un doigt? Voilà. Donc il se présente comme ceci, voilà. Donc, oh, elle est douce. Ouais, elle est pas mal. Vous ne verrez rien sur ma peau, vous ne verrez rien. Mais on la testera dans une future vidéo. Ça, je suis très 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 impatiente de pouvoir tester. Et la poudre m'a coûté... Elle est où la poudre? €4,75. C'est pas cher. J'ai pris le mascara Révolution Big Lash Waterproof. Et j'espère que c'est un bon mascara. C'est encore ce genre de... packaging là qui sont bien chiants. Voilà. Donc... Ah, c'est une brosse à picot assez fin. Je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais ce sont des picots assez fins. C'est pas une trop grosse brosse, mais c'est pas une petite brosse non plus. Ouais, j'ai hâte de tester aussi. De toute façon, je pense vraiment vous faire une vidéo Make-up Révolution. Parce qu'avec tout ce que j'ai de chez Make-up Révolution et le fait qu'ils sont vraiment pas chers, ça vaut vraiment le coup. J'ai pris une petite palette. Comme ça, c'est une palette de blush. Et c'est des blushs qui vraiment tournent vers le pêche, le orangé. Parce que voilà, c'est l'été qu'on veut des couleurs chaudes. On voit des couleurs vives. En vrai, je sais pas du tout si ça va m'aller. C'est pas grave. Si j'avais envie, j'ai craqué. Voilà. Celle-ci, elle est cruelty free aussi. De toute façon, je crois que la marque Make-up Révolution est cruelty free. Donc, c'est une Révolution Pro avec 4 fards à joues. Et c'est la Peach. Donc, ça va bien avec ce qui... Putain, j'ai un fard qui a un peu... Il a fait un peu beaucoup de chute là. Un peu de chute de partout. Regardez, elle se présente comme ça. C'est pas trop beau. Ces couleurs pêche là, c'est magnifique. C'est trop beau, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Mais il a déjà fait pas mal de chutes là, vous verrez. Un peu dégueulasse déjà. Mais ouais. Blush de l'été. Trop hâte. Et du coup, toujours dans le thème été, voilà mon dernier article.
C'est donc de la gamme Glow Revolution. D'ailleurs, j'ai décidé de prendre un autre article, mais pas le même dans mon futur, dans ma future commande. Qui est donc le Glow Revolution Prime Set Glow. Donc, c'est un spray illuminateur pour corps et visage. Donc, c'est la teinte bronze. Et il y a une petite bille dedans. Il faut bien le secouer. C'est écrit Shake Well. Donc, voilà. Là, vous verrez bien la vraie couleur du truc. Alors, attendez. Il faut encore que j'enlève le plastique dégueu de merde, là. Aujourd'hui, je suis surexcitée. Ça doit être l'unboxing qui fait que. Donc, il se trouve comme ça. Et là, je vais en mettre sur mon... Ah oui, d'accord. Mais il faut un peu le machiner là. Alors, j'ai pas l'impression que... Enfin, vous verrez rien. Et moi non plus, je vois pas grand chose en fait. Alors... Ça me fait des petites taches, genre sur le bras, des petites taches bronze, mais je vois pas nécessairement des paillettes. Alors... Il fait pas très lumineux dans la pièce. Donc il faudrait que je voie au soleil. Parce que la dernière fois, là, l'huile que j'ai testée dans mon dernier haul de chez Look Fantastic, celle de Barry M. Et ben elle faisait rien à la caméra, elle faisait rien à l'intérieur. Par contre, quand je suis sortie à l'extérieur, j'avais plein de petites paillettes trop magnifiques. Sur le corps, c'était super beau et ça se voyait vraiment bien, ça faisait vraiment vraiment paillettes, enfin huile pailletée. Donc ça, c'était vraiment cool, mais en fait ça ne rendait rien à la caméra et ça ne rendait rien à l'intérieur là comme ça. Donc je sais pas si je vais dehors au soleil, si ça aura pas un autre rendu. Donc je vous ferai un retour sur ce spray illuminateur. Peut-être que ça apporte juste un glow, hein. Mais j'ai déjà prévu de faire une future commande sur Revolution Beauty parce qu'ils vont sortir le 3 juin, je crois, le 3 juin, une nouvelle sous-marque XX Revolution. J'ai vu les commentaires de Elsa Makeup et de Marion Caméléon dessus. Et le fond de teint a l'air juste génial. Et comme j'ai d'autres petites choses que je garde dans ma wishlist, je me suis dit, je vais attendre ça. Comme ça, je vais pouvoir prendre le fond de teint et l'anti-cerne aussi, qui ont l'air vraiment sympa. Je vais prendre l'anti-cerne et le fond de teint XX Revolution. Et j'ai aussi d'autres petites choses dans ma wishlist. Et du coup, bah, vous pourrez vous attendre, je pense, en juin à avoir un autre unboxing spécial Revolution Beauty. Parce que du coup, ouais, j'ai pas mal de petites choses prévues à acheter. Voilà, voilà. Donc, voilà. Je pense qu'on va tester tout ça dans une prochaine vidéo. Je vous ferai une vidéo spéciale Make-up Revolution. Parce que là, je crois que j'ai tout. J'ai de quoi faire toutes les étapes d'un make-up complet. Donc je vais vous faire ça. Et puis j'ai aussi en tête de faire une série make-up Disney, princesse et vilain. Donc si ça vous dit, stay tuned, parce que du coup je vais vous concocter ça et j'ai trop hâte de les faire. Pour l'instant je n'ai fait que le challenge Which Disney Princess Are You? Donc, quelle Disney princesse êtes-vous? Donc, je vous ai fait ce petit challenge. Normalement, il est en ligne. Là, au moment où vous regardez cette vidéo. Donc, je vous invite à aller le voir. Et puis, du coup, je vais faire cette petite série. J'espère que ça vous plaira. Moi, j'aime bien l'idée de faire des petites séries comme ça, un peu à thème. Ça permet un peu de garder une ligne conductrice et puis de faire d'autres vidéos... Après autour, voilà, des Get Ready With Me, des une palette de look, etc. Et puis voilà, des petits unboxings, etc. J'ai d'autres vidéos qui vont suivre parce que j'ai fait des commandes sur Shein. Et donc j'ai hâte aussi de recevoir mes colis. Je ne les ai pas encore reçus, mais je pense bientôt.
Donc j'ai trop hâte aussi de vous filmer ça et de vous dire un peu mon avis pour tester parce que du coup j'ai jamais testé non plus Shein, donc je vais tester, je vous dirai mon avis. J'ai trop hâte, je suis trop excitée. Donc voilà. En tout cas, si cette vidéo unboxing vous a plu, si vous avez envie de voir certains produits à l'action, n'hésitez pas à me le dire, même si je pense que vous les verrez au fur et à mesure de mes vidéos. Si vous avez envie de me voir tester certaines marques, petit prix, etc., dites-le moi aussi. J'ai vraiment envie de tester des marques petit prix. Et puis voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu, c'est gratuit et ça fait plaisir. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et que vous aimez mon contenu. Et puis à checker mon Insta où je poste régulièrement des petites stories, des petits make-up du jour, etc. Donc voilà, et moi je vous dis très belle journée et bye!